Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Écran Mamouchka. Donc aujourd'hui on va faire une carte pour la fête des pères. Alors cette carte, je l'ai vue sur la chaîne de Peggy, le petit membre de Peg. C'est peut-être un peu trop zoomé. Voilà. Donc comment dire, je lui ai dit que j'allais la faire parce qu'elle me plaisait bien. Donc j'ai tout découpé pour gagner du temps. Je vais vous expliquer ce qu'il faut d'abord. Donc déjà, il faut du papier pour la base. Voilà, il en faut deux, comme ceci. Je vous donnerai les dimensions après. Du papier décor, donc deux motifs différents. Un papier blanc. Il faut des tamponnages qui sont déjà sur mes pattes d'encre. J'ai pris... de ce set de tampons fan inconditionnel, bonne fête des pères, et de les petites taches qui sont là. De l'encre, j'ai pris trois encres différentes. La Memento en noir, la Macaron à la menthe et la Flamme en fougue. Voilà, c'est les trois patrons que je vais me servir. Bien sûr, le règle, et puis tout le reste qu'il faut. Alors, pour faire cette carte, donc une page de cardstock, ça suffit amplement. Donc là, ma page a fait 28. Alors, j'ai noté ici. 28 sur 11. Ici, c'est 11 cm. Où on fait un pli à 7 et on fait un pli à 14. 7, 14. Voilà, on appuie bien, on peut y arriver. Voilà. Après, on prend notre toujours du le même, hein, la même page, ça suffit amplement. Donc celui-ci, on fait, c'est du 9 cm sur 21. Et donc on fait un pli à 10,5 et un pli à 5,25. 5,25, 10,5. Et on plie en Z. Voilà, le petit papier blanc fait 9,5. Alors Peggy a mis 7,5, moi il me reste un petit morceau de 7, donc j'ai pris un morceau qui fait 7 cm, c'est pas gênant. Et le papier décor, donc vous choisissez le papier décor, vous voulez mettre dans le fond et celui que vous voulez mettre sur le devant. Donc à chaque papier décor, j'y retire 0,5 mm. 0,5 cm. Donc là, le papier fait 13,5 sur 10,5. Et puis ça fait 11, c'est bien ça. Après, ça fait 6,5 sur 6,5 sur 10,5. 6,5 sur 10,5. C'est des papiers 15,2 sur 15,2. Donc là, il me fallait deux pages. Et l'autre aussi, c'est du papier 15,2 sur 15,2. Une page, ça suffit amplement. Donc là, je me suis trompée de sens déjà. Donc c'est là, comme ça. De toute façon, je vais vous expliquer. Voilà, comme ceci. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc là, là je vais coller le papier, hein, tout simplement. Voilà, je colle les papiers. C'est pas compliqué. Ah, c'est vraiment pas compliqué. Alors j'ai demandé, j'ai dit, quand j'ai vu la carte que Peggy avait faite, je lui ai dit. Elle me plaît très drôlement cette carte. Donc je vais la faire pour la fête des papas. Qui arrive bientôt. Qui est le... Ah, je suis déjà en rupture de stock de ça. Là j'ai rempli un album photo et je m'en sers pour... je me sers de ça pour les photos, c'est pratique. C'est pas grave, je continue à la colle. Je crois qu'il ne me reste plus.
Je vais peut-être garder le roller pour les photos. C'est bien pratique. Donc là, c'est collé. Maintenant, je vais faire pareil avec cela. Je vais prendre tous ces petits morceaux-là. Alors ça, je ne vous ai pas dit. Celui-ci, je ne me rappelle plus du nom de la collection. Mais celui-ci, c'est... C'était les dernières qu'on avait eu ça. C'était Fleur Fantaisiste. Celui-là, c'était une base de peinture. Voilà, c'était basé sur la peinture. Alors, bien sûr, la carte était pour mon beau-père, donc... On y va à fond dans la peinture. Ça ressemble aux peintures de Monet, tout ça. Donc, on est toujours dans la peinture. Selon Marie, je peux me baser sur les voitures, ce qui est dans ça, mais mon beau-père, c'est moyen, quoi, on va dire. Quoique, il aime bien voir nos vieilles voitures, mais ça s'arrête là. Et celui, c'est le foot, mais j'ai rien sur le foot. Alors, j'ai rien sur rugby, j'ai rien sur le foot. Donc, alors, on replie. Non, avant, il faut faire le papier. Donc, on va laisser ça de côté, ça va se mettre. On va faire le tamponnage. Ah, j'allais dire, Alors, en noir, je vais tamponner. Bonne fête, papa. Non, bonne fête des pères. Je n'ai pas bonne fête, papa. Voilà, je nettoierai ça après. Ensuite, je vais tamponner. J'ai pas pris de vieux papier. Même si c'est pour moi, c'est pas gênant, c'était des fins de. Donc voilà, je vais tamponner comme des explosions de peinture. Des projections. Je m'emballe. Hop. Voilà. Alors, je suis désolée, hein, c'est que vous entendez du bruit. Il y a mon mari qui regarde le tennis avec mon fils. On est le soir, là, quand je vous fais la vidéo, on est le soir, il est quelle heure ? Il est presque 23h15. Voilà, je suis revenue, ça a coupé. Donc, j'ai fini de tamponner mes couleurs. Ça fait comme si c'était de la peinture, hein. Donc, hop, on colle. Voilà. Et maintenant, ça je vais pousser parce que je les ferai après. On va. Voilà. Il faut que ça soit comme ceci. Donc, je vais coller on va mettre de la colle que sur le petit dernier là, hein. Celui-ci. Voilà. Donc on va replier sans s'en mettre pas les doigts et on replie celle-ci et il faut que les deux se touchent. Voilà. J'ai un petit peu bougé. Voilà. Il faut y aller franco. Donc, voilà, on appuie bien. Voilà. Et maintenant, on va coller la moitié pour que ça aille là-dessus. On va coller qu'une partie.
par exemple, on va s'arrêter. Ah non, la colle n'a pas tombé les rats non plus. Non, c'est bon. Voilà. Je vais la refermer. Je crois que c'est la dernière vidéo ce soir. Non, ça fatigue. Et voilà. Donc voilà, une carte. Tuc. En Z. En Z. Voilà, ben merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Au revoir.